Méditation du 9 novembre, ne viole pas ta conscience. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. En le mettant hors de lui, on pêche contre soi-même. Proverbe 20, verset 2. Le 31 octobre 1517, Martin Luther cloue ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Mais lorsque les idées de Luther ont été traduites dans la langue du peuple et largement diffusées dans toute l'Allemagne, ce qui aurait pu rester au stade de simple revendication universitaire a provoqué un grand bouleversement politique, social et religieux. Bientôt, le conflit a commencé à traverser les frontières, inquiétant les princes et les dirigeants d'autres royaumes. Henri VIII, roi d'Angleterre, a exhorté l'empereur Charles Quint à éradiquer l'hérésie luthérienne par la force et, en 1521, probablement avec l'aide de son aumônier Édouard Lee, il a écrit une défense scolastique des sept sacrements contre l'un des textes majeurs de Luther, la captivité babylonienne de l'Église. Le texte du souverain a reçu les grands éloges du pape, mais quand il est arrivé dans ses mains, Luther a dit « Le roi Henri, pour le malheur ou la colère de Dieu, roi d'Angleterre ». Puis il a accablé le souverain anglais des épithètes les plus excessives et donné un coup inutile au prince en déclarant que le roi Henri était une preuve de la véracité du proverbe qui affirmait qu'il n'y avait pas de plus imbécile que les rois et les princes. Les meilleurs amis de Luther lui ont reproché son attitude envers le roi d'Angleterre et son imprudence en offensant la classe dirigeante. Peu de temps après, Henri VIII est entré en conflit avec le pape pour des questions de mariage. Le problème s'est terminé par une séparation des deux souverains. Puis, désireux de gagner le monarque à la cause de la réforme protestante, Luther lui a écrit une lettre le 1er septembre 1525 dans laquelle il retirait ses commentaires sur lui et s'excusait, offrant de l'honorer publiquement. Henri VIII a rejeté cette offre avec dédain et un orgueil royal, en lui disant qu'il le répudiait maintenant, non seulement pour son hérésie, mais pour sa lâcheté. Le conflit entre Luther et le roi d'Angleterre a été utilisé par les papistes pour se moquer de la cause de la réforme protestante, qui avait perdu le soutien de l'un des dirigeants les plus importants d'Europe à un moment clé de l'histoire. Susciter la colère d'une autorité peut nous mettre dans une situation très défavorable. La volubilité, la colère et l'arrogance sont des caractéristiques particulièrement destructrices. Demande aujourd'hui au Seigneur de faire preuve de sagesse face à ce type de situation. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.